Bienvenue sur American Universe. Nous voici sur Cyberpunk version 2.0 où je vais vous donner un gros tips pour améliorer grandement vos graphismes sur le jeu en version 2.0. Donc, mais avant tout, je tiens à remercier les derniers abonnés ainsi que évidemment les anciens. On se dirige tout doucement vers le cap des 500 abonnés, ça fait vraiment chaud au cœur, donc je voulais encore une fois vous remercier, car sans vous, ma petite chaîne ne serait rien. Alors, nous allons entrer directement ici dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit non pas d'un tips, mais d'un mode particulier qui s'appelle le HD Rework, qui a très bien fonctionné sur The Witcher 3. Je ne fais pas une chaîne axée sur le modding et j'évite parce que je ne me sens pas apte à parler de ça, puisque il faut quand même aller bidouiller dans les fichiers des jeux, etc. Ici, ce n'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que c'est très simple. Je vais vous expliquer la procédure. C'est vraiment très simple pour un rendu qui va vraiment affiner vos graphismes. Donc ici, je vous mettrai en lien donc la page de HD Rework. On est sur le Nexus, donc site bien connu de modding. Et là, vous allez avoir donc les fichiers. En fait, il y en a deux différents. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Qui vont vous permettre d'avoir des graphismes vraiment affinés. On peut, avant toute chose, admirer déjà le travail de ce modeur, parce qu'il faut savoir qu'il est tout seul, qui avait fait un travail remarquable sur The Witcher 3. En fait, sa méthode, c'est qu'il retravaille toutes les textures du jeu et il les affine, en fait. Et pour tout dire, son travail a été tellement remarquable sur The Witcher 3 qu'il est incorporé dans la dernière version de CD Projekt Red. Donc c'est vous dire la qualité de son travail. Donc si on retourne donc sur la page de Cyberpunk et on va installer le mode. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité sans nom. Voilà, donc on retourne sur la page de Cyberpunk 2077. Et vous allez voir qu'il vous explique qu'en fait, il y a deux fichiers principaux. Lequel choisir? Le premier est destiné aux anciennes cartes graphiques qui n'ont pas beaucoup de VRAM, ou alors aux cartes graphiques peut-être pas si anciennes, mais où vous avez mis énormément d'options à fond, genre ray tracing, path tracing en jeu, ce qui fait qu'il ne vous reste pas beaucoup de VRAM disponible. À ce moment-là, vous prenez le premier fichier que je vous montre ici, donc Cyberpunk 2077 HD Rework Project Balanced. C'est le plus léger. Cependant, je vous préconise de prendre le second fichier si vous le pouvez, qui est Cyberpunk 2077 Rework Project Quality. Car c'est avec le fichier Ultra Quality qu'on a les meilleurs résultats. Même si avec les deux fichiers, vous allez voir un résultat sur vos textures et un espèce de lissage. Il a vraiment lissé les textures, mais il les a retravaillées aussi. On est sur la version 2 de son travail, donc c'est-à-dire que ça va encore s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais c'est déjà très impressionnant, vous allez voir ça en jeu. Mais donc pour l'installation, c'est très simple. Donc une fois que vous avez décidé de quel fichier vous avez besoin, vous faites manuel download. Je vous préconise de faire manuel download, même s'il y a une possibilité de le télécharger autrement. Faites plutôt manuel download et vous allez avoir un fichier zip tout simplement. Et la seule chose qu'il faudra faire, c'est prendre le contenu de ce fichier zip
et l'installer dans le répertoire racine de votre jeu. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment très très simple, vous allez voir. Voilà, ici il vous explique vraiment. Donc en fait, vous devez avoir comme arborescence Cyberpunk 2077 slash archive slash PC slash mod slash HD rework project.archive qui est le dernier fichier. Mais toute cette arborescence, elle est déjà dans le fichier ici. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Il n'y a pas de fichier mod à créer dans le répertoire du jeu. Il ne faut rien modifier. Il y a juste à faire un copier-coller. Donc voilà, ici, j'ai le fichier. Voilà. Je vais sur Archive. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire le fichier Archive pour le mettre dans le fichier racine du jeu. Donc vous voyez ici, voilà, vous avez tous les fichiers qui sont toute l'arborescence qui est là avec le fichier HD Reworked à la fin. Donc dans le répertoire racine de mon jeu, ici donc sur le disque D, je suis dans le répertoire racine de Cyberpunk 2077. Je vais simplement donc extraire le zip et faire un copier-coller tout simplement. Évidemment, moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Vous voyez, il me met un message comme quoi j'ai déjà les fichiers et vous voyez, voilà, tout est déjà là. Donc c'est un simple copier-coller du contenu du répertoire zip. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, vous voyez là, j'ai rework, on a l'arborescence comme il l'avait montré sur le site Nexus. Donc il y a rien de plus compliqué que ça. Donc bon, le reste, il n'y a pas à bidouiller dans les fichiers, etc. Et si jamais il y a une mise à jour et si jamais le fichier n'est plus compatible que sais-je, c'est très simple en fait. Vous délitez tout simplement le fichier archive en fait. Je dis archive en anglais, mais archive si vous voulez. Vous le supprimez tout simplement. Et là, vous lancez votre jeu. Par un lancement de jeu, c'est ce que je fais là. Maintenant, ici, faites attention sur le launcher de CD Projekt Red. Il y a quand même une petite option à cocher quand même pour que le mode fonctionne, même si je pense qu'il fonctionne sans ça en fait. Voilà. Vous voyez, en fait, vous allez avoir donc ici le launcher. Et là, vous avez une option à droite, donc l'espèce de roue dentelée. Vous faites activer mode. Moi, dans le doute, je l'ai toujours fait, mais je pense que ce n'est pas nécessaire puisque on n'utilise pas justement le fichier mode du jeu. On a juste copié des fichiers à part dans le répertoire du jeu. Donc. Mais voilà, faites-le quand même pour être sûr. Mais c'est vrai que j'avais fait le test. Et il n'y avait pas nécessité d'activer cette option, mais dans le doute, faites-le. Voilà, maintenant on est en jeu. Et vous allez voir le rendu en jeu. C'est assez impressionnant au niveau des textures, sachant que je joue donc avec une 4080 16 Go de RAM et un i5 12600K. Vous savez que le jeu est très, 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 très gourmand. Mais voilà. Mais. Regardez le rendu, voilà, ça se passe de commentaires. J'allais dire le jeu est très gourmand, mais il est très beau aussi. Et voilà, moi j'ai vraiment, on voit directement, vous voyez bien, les textures sont très très nettes en fait. Parce que en fait, pourquoi? Avec ma 4080, pardon. J'étais obligé quand même de mettre l'upscaling plus le frame generation. Évidemment, ça m'a fait gagner des FPS, puisque sinon j'étais en dessous des 60 FPS, puisque j'ai le ray tracing, j'ai le path tracing et j'ai toutes les options à fond, comme je vais vous montrer juste après. Mais ça a pour effet, justement, là, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos,
la génération de frames, même l'upscaling des LSS, ça a pour effet d'un petit peu, on va dire, avoir un léger effet de flou, hein, même si Nvidia a fait vraiment des gros efforts là-dessus, mais avoir un léger effet de flou qui va faire que vous n'aurez jamais le rendu d'une vraie, d'un, par exemple moi qui suis en 4K, bah, d'un vrai, une vraie résolution 4K. À l'heure où je vous parle, jouer avec en 4K avec le path tracing et le ray tracing, c'est impossible. Mais avec une 4090, c'est impossible. On verra ce qu'il en sera avec les prochaines Nvidia qui ont été annoncées, donc. Et éventuellement les futurs RTX 5000, mais aussi. Honnêtement, les dernières cartes, donc ici à 4080 super, faut pas espérer, elle va être à peine plus puissante que la mienne. Mais voilà, c'est de toute beauté, regardez la netteté. Ça couplé au path tracing et au ray tracing, ça donne vraiment un jeu, mais ouais, clairement un des plus beaux jeux PC actuels sans problème quoi. Et au niveau de la gestion des lumières, je pense que c'est le jeu qui m'impressionne le plus. Honnêtement, c'est dû au path tracing ça. Donc path tracing, je vais un petit peu vous faire une parenthèse. C'est en fait le fait que chaque lumière, chaque élément qui génère de la lumière dans le jeu va être reflété de manière beaucoup plus réaliste en fait. Va avoir plutôt des reflets de manière beaucoup plus réaliste. Là, ce qui donne vraiment des nuances d'éclairage bah, qui se rapprochent de la réalité en fait. Voilà, vous voyez ici, je vais vous expliquer un peu les options graphiques. Vous voyez ici, ça c'est la vue du premier appartement donc, que vous avez en jeu. Ça se passe de commentaires. Et vous allez voir mes options. Voilà, options graphiques. Ici, on va dans les options, donc graphisme. Et là, en fait, vous voyez que, en fait, oui, j'ai oublié de le préciser aussi, je ne peux même pas mettre le DLSS en mode qualité, en fait. Je suis en dessous des 60 FPS. Et comme je voulais quand même maintenir au minimum le 60 FPS, je dois mettre en automatique. Et donc, bah ce mode est vraiment du pain béni pour tous ceux qui doivent mettre un DLSS, soit performance, voire moins, ou comme moi, automatique en fait. Parce que je suis passé de 50 FPS à 80 en automatique, mais avec une petite perte au niveau des textures évidemment. Le frame generation, évidemment. Sinon, sans ça, pareil, je ne peux pas jouer en 60 FPS. Voire un peu plus. Après, vous voyez ici au niveau densité de flou, je n'ai pas touché champ de vision, etc. Le flou cinétique, moi, je l'ai laissé au minimum, mais j'aurais pu le retirer complètement. Et aussi les autres options graphiques, je vous enjoins à aller voir mes anciennes vidéos pour voir dans les détails donc les paramètres graphiques plus adapté justement à votre config PC. Mais vraiment, c'est alors qu'on est encore qu'à la 2.0, pour moi c'est un game changer. Et je vous rappelle aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'extension Phantom Liberty, hein, ça fonctionne avec la version 2.0, il n'y a pas de souci. Alors ici je vais vous montrer un petit peu le rendu sans l'ATH évidemment. Voilà, c'est des projets que vous auriez pu faire une option pour désactiver l'ATH tout simplement. Je pinaille, ils ont fait un énorme boulot depuis. C'est plus du tout le même jeu, honnêtement, depuis 2020. C'est incroyable. Mais là, la 2.0, pour moi, c'était la bonne occasion, justement, pour faire le jeu. Je suis en plein dessus.
Et vraiment, c'est un vrai bonheur. C'est un très grand jeu. Hein. Et c'est un très grand jeu immersif. Donc, plus vous avez des graphismes corrects, des bons FPS, vous allez kiffer le jeu et rentrer vraiment dans l'univers de Night City. Hein. Maintenant, c'est. Alors après, moi ce que je pourrais vous donner comme conseil au niveau des fichiers à prendre, parce que vous avez vu au début qu'il y en a deux différents, c'est tout simplement tester avec l'ultra qualité. Et si vous voyez que vous n'avez pas vos FPS. Alors ici, la fameuse place où je passe dit toujours lorsque je fais un guide, c'est mon troisième, je pense. Oui, c'est ma troisième vidéo sur Cyberpunk. Mais il y a un gap avec ma toute première vidéo que j'avais faite en 2020. C'est incroyable. Le rendu ici de cette place, c'est l'Atrium, si je ne m'abuse. C'est juste en face de votre appartement, en fait. Donc c'est vraiment le début du jeu. Le gap est gigantesque, franchement. Alors, petit tips, avec cette voiture, vous pouvez la récupérer gratuitement. Donc, c'est la Quadra Type 66 Hun. C'est une très 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 bonne voiture qui, en plus, a des armes équipées et qui roule hyper vite et qui est très résistante aussi. Donc, ça fait beaucoup de qualité. Et en fait, je vous invite à taper son nom sur internet. Vous allez aller dans un hangar et ça fait partie d'une mission. C'est pas d'ailleurs le seul véhicule qui est caché dans le jeu, mais pour l'instant, je n'ai trouvé que celui-ci. Voilà, vous voyez ici, on voit vraiment le path-tracing. Vous voyez la gestion des lumières et les néons. Pour leur propre gestion, le ray tracing. Là, vraiment sur cet extrait de vidéo, on voit vraiment tout le travail qui a été fait sur les lumières, vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Donc vraiment, après. Je vais quand même un disclaimer pour la fin. Voilà, si je ne vous oblige en rien, vous pouvez très bien jouer sans installer ces fichiers. J'aurais peut-être dû même le mettre le disclaimer au début de la vidéo, mais honnêtement, c'est un modeur qui a été pris par CD Projekt. Voilà, sa qualité a été vérifiée, etc. Donc, voilà, vous n'allez pas avoir de virus ou quoi que ce soit, mais bon. Voilà, ça reste quand même du modding, même si c'est du modding très léger. Alors ici, petite séquence de combat, oui. Ah oui, c'était une mission de chasseur de primes, en fait. Alors, grosse révélation pour moi aussi, c'est le gameplay, en fait. Au début, si vous débutez le jeu, honnêtement, le début du jeu peut paraître un peu bof bof, mais en fait, le gameplay est vraiment vraiment top. Surtout avec la 2.0 où tout a été refait en fait. C'est très très nerveux. Moi, ici, vous voyez que je suis sur un build axé sur le réflexe. Et c'est vraiment quand je me déplace, etc. C'est un vrai bonheur, honnêtement. C'est un build réflexe, lame. Donc. Oui, alors on m'entend parler. C'est un extrait de vidéo et on m'entend parler derrière. En fait, en gros, je dis, ah ben oui, il a mis des pièges partout, donc c'est pour ça que. Et ça aussi, il y a vraiment un effort qui a été fait. Ça, vraiment. Enfin, j'ai retrouvé CD Projekt de The Witcher, c'est-à-dire toutes les missions annexes, on a envie de les faire en fait. La moindre mission annexe, il y aura toujours du lore,
Et ça, vraiment, c'est l'école, c'est des projets, et vraiment, j'étais étonné, quoi. Voilà, petite séquence de gameplay. On va en finir là. Donc, bah, si vous avez apprécié ma vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Bon, encore, je vous remercie. Cap sur les 500 abonnés maintenant. Et on peut encore apprécier ici voilà, les différents effets de lumière. Bon, là par contre. Interdit au moins de 18 ans, ça, il faudra que je coupe. Mais voilà, le jeu est vraiment très très beau et ce mode sublime complètement le jeu. Vraiment, comme il avait fait avec The Witcher 3. Hein. J'avais fait un showcase de Witcher 3, évidemment, ce mode-là était un des premiers que j'ai installé, le HD Reworked. C'est un mode très connu. Sachant qu'il est en train de travailler. En plus, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il est en train de travailler en ce moment bah, sur des nouvelles versions. Donc, ça, ce n'est que le début. Et quand on voit le résultat. Voilà. Ça se passe de commentaires. Après, vous pouvez totalement jouer sans le ray tracing et le path-tracing si vous avez des configs plus modestes et quand même installer le mode en fait. Ça va quand même de toute façon lisser vos textures, donc dans tous les cas vous êtes gagnant. Mais pour ceux qui jouent notamment en 4K, voilà, ce mode permet d'avoir vraiment des textures 4K en fait, tout simplement. Et donc on n'a pas cet effet de flou. D'ailleurs, je vous invite à aller voir certaines vidéos 4K sur des grosses configs 4090 avec toutes les options à fond. Et vous allez voir que le rendu est différent, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de mode installé. Vous allez voir que les textures ne sont pas aussi nettes. Bon après, j'ai l'œil aguerri aussi. Hein. Moi, je le repère directement. Il faut aussi, j'en profite aussi pour vous dire que, évidemment, le rendu que vous allez avoir en jeu sera plus beau que ce que vous voyez là sur la vidéo. Pourquoi? Parce que, déjà, je perds à l'enregistrement. Je perds après avec la compression YouTube aussi. Donc, vous voyez, avec le montage, etc., je perds d'office en qualité, en netteté en fait. Donc dites-vous que ce que vous voyez là, sachant que j'exporte mes vidéos toujours au maximum, vous le savez bien, donc si vous êtes un fidèle de ma chaîne, en 4K, hein, avec la meilleure qualité possible, mais ce ne sera jamais le rendu que j'ai vraiment en jeu, donc ce sera toujours un petit peu moins bien. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo, mes meilleurs voeux aussi, et une bonne année. Car c'est ma première vidéo donc de 2024. Ciao!